Des heurts ont éclaté ce vendredi matin à la frontière entre la Grèce et l'ex-république yougoslave de Macédoine. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les centaines de migrants rassemblés là depuis hier. Il y a plusieurs blessés. Ils nous ont tiré dessus, dit cet homme. J'en ai été témoin. Ces personnes originaires du Moyen-Orient et d'Afrique sont arrivées en Grèce avec pour objectif de rejoindre l'Europe occidentale. Jusque-là, ils accédaient à la ville frontalière de Gevgelia et de là, ils prenaient le train pour traverser les Balkans. Mais face à l'afflux massif de migrants ces derniers jours, les autorités macédoniennes ont décidé de fermer la frontière sud du pays. De nombreux migrants se sont ainsi retrouvés bloqués, d'où les tensions qui ont éclaté ce vendredi matin. Take some photo.